Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci pour être écouté nous sous 106.1 FM sous alterradio.org avec l'autre plateforme internet. Merci pour être regardé nous tous sous Facebook et YouTube. Tichèze Bar, nous connaissons, c'est un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Accord Ariel Henry nan poche li kounye, accord Haïti avec Kenya pour coopération entre la police de pays yo. Li siyen, d'après sa présidence Kenya annoncé 1er mars lan, c'est yon pièce importante pour permettre police pays Kenya vin déploie en Haïti nan mission multinationale sécurité pays sa gen pour vin diriger nan pays pa nou. La veille, c'est yon gros démonstration force gang yo bay nan capitale d'Haïti à Port-au-Prince, yon bon quartier nan Port-au-Prince vive yon moment l'enfer pendant attaque sa yo avec gros coup zam parmi victimes yo genyen au moins 4 policiers et puis gang yo fait frappe symbolique particulièrement sous aéroport qui paraît tankou yon zone stratégique important. En plus yo attaqué boulé plusieurs commissariats ak sous-commissariats Jean yo habitué faire et puis yo frappé académie police lan entre frères avec Pernier, c'est plus gros établissement la police gagne sur tout territoire. Comment pour nous comprendre attaque coordonnée ça pendant gang yo affirmé même que y a agi ensemble. Est-ce que c'est vrai, c'est pour appuyer démarche pouvoir pour joindre intervention étranger? Est-ce que c'est un message gang yo avec secteur cap appuyer yo avoyer by communauté internationale qui sens politique ça passé. Sous Tichèzeba, nous invitons Jean-Gary Denis, directeur exécutif Institut haïtien d'Observatoire de politique publique INOP. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèzeba. Jean-Gary Denis, bienvenue sous Tichèzeba, l'Alter Radio. Merci Godson pour l'invitation et nous souhaiter tout auditeur Alter Radio qui pourra faire plaisir pour écouter débat ça. Donc nous souhaiter yo un gros coup et m'a dit yo bonne écoute. Bien, le cap yo présenté le temps de havre de paix, comment la vie aille là au cap? Bon, naturellement, je représente le cap tant havre de paix, hein, donc pour moi même li paraît pour moi même yon sorte de l'heure parce que vraiment regarder problème qui gen au cap, problème surpopulation et regarder au cap donc problème et concernant problème environnemental, regarder problème donc qui lié à ça que nous ta cap parler de insécurité qui pas encore vraiment et Blaikol, donc ça veut dire havre de paix ça, donc son havre de paix et provisoire et li pas encore problème n'a pas encore accentué tant qu'au Port-au-Prince, mais là on parle de havre de paix, donc on pas croire que problème ou capable vivre, donc les différents de reste problème que société a, mais seulement moment pour encore arriver et pour que problème qui gagnait au niveau de l'autre ville n'a pas au Port-au-Prince que nous gagnons même problème ça yo au niveau au cap. Est-ce que gagne quand même des manifestations de insécurité que nous connaissons? Oui, de temps en temps gagne manifestation insécurité ça. Bon, malgré que nous profiter voyer yon beaucoup de salutations pour brigade et spécial la police qui gon travail vraiment que yo fait qui sur la balle qui toujours et vraiment a chercher niche et de sécurité a chercher niche de bandits et pour yo goumen contre yo et même penser que et non penser que problème n'a pas fini rose
gens que vous voulez présenter au Cap-Blanc, parce que à chaque moment, à chaque temps, nous sentis ces signes de sécurité, nous sentis monde que assassiné. Tout dernièrement, gagné un policier de la DCPJ que yo assassiné. Et dans la ville au Cap, et longtemps, donc depuis le fait 7h, 8h, par un monde qui a sorti dans la rue 24 pour arriver dans la rue 2 et à pied. Parce que non seulement oui, on pas éclairé, mais tout avec phénomène moto, avec vagabond qui a marché, prend téléphone monde, donc qui au Cap son côté, qui très et problématique dans la question sécurité. Ouais. C'est que Havre de Paix que vous voulez présenter, hein, donc il me passe une poêle. Et malgré que je salue le travail que la police fait, mais le problème est là, le problème existe, et il faut que au Cap, nous capables de redoubler d'efforts pour que et nous arrivions dans le niveau que Port-au-Prince arrivait. Hein. Mais présent tel qu'on a de paix, nous-mêmes pas Ouais. Mais quand même, gagner des activités culturelles et moins que gagner des acteurs culturels qui choisissent le cap pour yo, et développer. Et ça a fait l'autre jour, c'était tel festival, demain, c'est tel autre, c'est telle sortie de film, etc. Donc, gagner donc une sorte de la vie culturelle qui a développé au cap là. mais activités yo territorialisées dans des zones bien spécifiques. Et moi-même, c'est ça qui fait que leur ville, tant qu'au Cap, bon, c'est vrai qu'il y a des côtés que il y a monde qui fait des programmes, qu'on a sorti ou manger au restaurant, ou qu'on a un bar, ou quitter bar jusqu'à 11h minuit. Donc, c'est difficile dans Port-au-Prince, je dis. Hein. Mais, et Jean au Cap Théien et liberté qui te gagné dans niveau Cap dans Jean que nous décon vivre et pas quoi que ça et propagande que yo sorti pour faire comme si que pas un problème au Cap là donc pas quoi ça par exemple je dis pas un monde qui fou Cap quitter au Cap et vers 10 11h on prend qui pral pour une moto ou bien qui pral pour une camionnette pour que, bon, d'ailleurs, depuis 6 heures du soir, presque la vie, et la vie, et la vie stoppée et dans la zone. Ouais, comment que, même il y a deux, trois petites activités, donc c'est vrai, je crois que c'est au Cap qui offre, dans la zone qui offre, et question ça, même pas quoi, comme si ça qui a présenté des sécurités, dans la zone nord, là, c'est ça que lié, parce que il y a des zones qui sont chargées et avec bandits, et il y a un côté que, et depuis on l'a, que on a pris précaution pour ne pas fréquenter ou pour ne pas aller dans la zone ça. Ouais. Et alors, depuis le Cap, comment nous observer dernière violence, la Port-au-Prince, m'a parlé de ça qui passé jeudi 29 février. Ça passe jeudi 29 février. Hein. Pour moi-même, les gagnants une expression politique. C'est une expression politique qui vient claire. Pas oublier que le Premier ministre Ariel Henry, je dis, hein, monsieur, et au Kenya, monsieur a forcé une intervention étrangère. Moi-même, tant comme toujours dit, je parle communiste et de pacotille. Communiste, excusez-moi, communiste monde d'Achille avec personne et Godson. Donc, pour moi-même, on croit que bon coopération que pays a besoin avec des forces étrangères, que coopération pays a besoin avec et un pile pays, tant comme toujours dit, donc On Haïti. parlait de aspect ça après, mais on était sous violence qui fait là, Port-au-Prince, côté et gang yo déployé, yo montré que yo ka fè une action coordonnée dans bon quartier et même policiers qui victimes, au moins quatre. C'est des violences qui quand même assez intenses. Oui, c'est des violences regrettables, condamnables, mais pour moi-même, c'est des violences, c'est
politique, donc ou gen un pouvoir qui choisit sans d'accabrer la stratégie du chaos, et c'est dans le chaos qui permet et premier ministre Ariel qui a le pouvoir, par exemple là, nous avons BSAP, l'autre prend un BSAP, donc c'est que tout le monde dit qu'on ouais comment BSAP a fait graduation, comment BSAP a marché avec ça, mais le premier ministre Ariel n'a pas dit rien de des autres ça qui a commencé à venir. Bon, ça va le débat, ça pas gain yon ça que nous avons brûlé, yon utilité, pas un travail que nous avons fait. Mais mission BSAP lance, donc c'était un garde environnemental, donc qui était là pour te servir. Mais là, nous avons comme si des milliers de monde, ouais, BSAP a devenu semblé, sans nous avons brûlé avec yon milice. Après, nous avons dit que le ministre Ariel, lui-même, il n'a pas dit rien, il était quitté tout bas, ça, tout des autres, ça, yon fait. Donc c'est même gens avec gang que yon servi avec gang, yon, le que yon voulait. Mais je dis, nous, ouais, que gang donc, pour vient... action ça qui fait là, c'est en coordination avec le pouvoir. Avec le pouvoir. Coordination avec le pouvoir pour capable, disons, et renforcer et le chaos parce que c'est dans le chaos, hein, et premier ministre Ariel que. Bon, je bah, dis premier ministre Ariel, pour moi-même, je ne suis pas premier ministre. C'est dans le chaos ça que Michel lui-même est capable. Kembe pouvoir, li capable kembe un pouvoir à vie. Bon, imagine dans la situation côté nié là. Pour mon cher papa, pas crainte. Là juste et babat que le tout dernièrement. Donc c'est Guyana. Guyana. Écoutez, monsieur al Guyana, c'est dans Guyana que monsieur al promet nous que la renforcer pouvoir. Donc c'est que gagne au pays, gagne des secteurs dans pays, gagne des monde qui a demandé monsieur démission, gagne des monde qui a dit que monsieur est pas bail résultat pendant 3 ans. Bon, pour c'est juste Guyana que monsieur allait sans respect pour aucun monde, sans respect pour société, sans respect pour l'autre institution pays, monsieur dit que la prolonger mandat pour 2 ans. Donc prolonger mandat pour 2 ans. Donc s'il qu'a fait élection pour 2025, là, fait élection pour 2025, mais s'il n'a pas fait élection tout, donc monsieur là pour 2030, monsieur là pour 2040, monsieur là pour 2050, a vie pour jusqu'à ce que lui fait élection dans le goût, dans le jeu que vous là, pour que vous passez pouvoir, vous le complice lui, et puis pour que le pays continue dans le même problème que lui. C'est un renforcement carrément pour que le premier ministre Ariel qui a le pouvoir. Ça, c'est une hypothèse. Est-ce pas un l'autre? Est-ce que c'est seul pouvoir qui a bénéficié de ce qui a passé dans le pays aujourd'hui? Bon, j'ai une situation. Donc, à qui profite le crime? Bon, ça va vouloir dire que gang yo qu'on y a qui gagne une certaine autonomie et aujourd'hui, yo qui a envie by tête yo des objectifs politiques. Donc, c'est normal parce que ipso facto que moi-même ou Bamzam. Non, il a affirmé très clairement, puisque bon, il a levé voix pour demander démission à Ariel Henry, etc. Bon, naturellement, c'est la première fois qu'il a fait. C'est la première fois qu'il a fait. Après, étant d'autant, André Michel, Majoré Michel, débarqué avec un sacquet de l'argent. Tourelle Edmond débarqué avec un sacquet de l'argent. Al séparé, à vous pas attendre des questions de revendication politique. Et que vous gagnez encore. Donc, ça veut dire que c'est tout le temps. Et que Mounsayo gagne et position ça. Donc, pour nous-mêmes, nous croyons que aujourd'hui, ça qui a passé là, c'est pouvoir. Et en grande partie, qui gagne toute responsabilité. Hein, pouvoir avec, parce que nous n'avons pas oublié et le corps groupe, nous n'avons pas oublié l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Canada, qui baille pouvoir sa soutien pour que yo fait l'obéi que ça que a fait, pour que yo conduit pays dans le chaos, dans le génocide ça, que nous-mêmes nous vivons là au niveau du port, au niveau pays. Mais alors, m'insister sur ça, et si nous faisons un panorama de tout secteur qui gagne dans le pays, parmi les secteurs les plus en vue, dominants, etc., est-ce que c'est seul pouvoir qui est capable de gagner intérêt dans ça, n'a pas gardé là? Non, je dis à qui profite le crime. C'est ça, c'est question ça qui retourne. Donc, c'est qu'on est capable de trouver d'autres secteurs qui ont senti nécessité pour allier à
qui dit qu'il y a lieu à des forces armées, qui a lieu à des bandits. Donc, pour jeter Ariel, parce que je dis ça pour vous comprendre tout. Et de notre côté, population, c'est tellement à vivre une situation atroce. Population à vivre, c'est tellement une terreur. Et je dis à Goodson. Et mon yon pas bien qu'on est qui m'a vu me délivrer. Non, pas bien de logique comme ça. Hein? Donc, c'est-à-dire que quelquefois, ou qu'on arrive dans une situation que mon yon s'est tellement côtoyé et gagne au niveau et quartier populaire, c'est gagne yon qui bat aux sécurités, qui fait, qui travaille avec eux, c'est eux que vous voyez, c'est eux que vous côtoyez. Quelquefois, donc, on ne peut pas nier une sympathie qui est capable de développer, une sympathie naturelle qui est capable de développer, donc, avec les gangs par rapport à la cohabitation dégagée avec la population au niveau quartier populaire. Donc, ça ne peut pas écarter ça. Et pour moi-même, on est capable de trouver donc, une sorte de sympathie et beaucoup de gangs. Donc, dans une série de secteurs de la société. Hein. Mais il faut que nous clair, mais la graine. Mais ou pas, ouais, en quel autre secteur puissant qui est capable d'intéresser? L'autre secteur puissant qui est capable d'intéresser dans le barrio, donc quelquefois, et moi-même, je vais faire différence entre gang à cravate avec gang et pirate. Donc, c'est-à-dire que, qu'on voulait qu'on parle aujourd'hui, hein, et gang, violence que nous avons là, il tournait une sorte de. Il tournait une sorte de sac de cabrélé, de matière première, il tournait une sorte d'acteur en économie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pile, y a pile entrepreneur, il y a pile monde qui a un business et. Il y a plein de monde qui gagne business, donc qui utilise la violence comme un élément de compétitivité pour gourmer avec l'autre compétiteur. Donc, ça veut dire que gagner vraiment, donc, il y a plein d'acteurs qui ont gagné intérêt dans la violence, ça, qui gagne et au niveau, et pour presse, au niveau pour presse, là, et non pas de écarter tout, peut-être que quelques acteurs et des acteurs politiques et même population. Même si on est là, je dis hein, que ou capable de trouver une manifestation, que d'ailleurs, lors des manifestations, gang fait manifestation, ou que vous chargez les gens, mais c'est des gens au niveau des quartiers populaires. Quelquefois, oublier à citer gang, oublier comment gang a pété les gens, oublier comment que gang a kidnappé les gens. Donc, c'est que vous pouvez coller dans l'activité gang, donc c'est que nous ne pouvons pas écarter. Et tout bagay sa, mais vraiment, moun ki gen tout intérêt nan Jean bagay lan yé la, c'est le pouvoir en place qui toujours instrumentalise gang yo, qui toujours démontre que gen problème dans le pays, hein, qui toujours démontre que gen pile bandit, donc pour capable justifier le plan d'intervention. Bon, alors là, ça c'est mon vision parce que il y a d'autres analyses qui fait quoi que par exemple gagnent depuis un certain temps des sanctions que les États-Unis, le Canada prend et il y a toute une série d'acteurs qui en difficulté. Je dis, ah, est-ce que vous voulez que statu quo ça continue ou pas et des perspectives de justice, procédure judiciaire qui t'a capable affecter telle ou telle personnalité, tel ou tel acteur. Est-ce que tout ça, tout pas posé sous terrain? J'aime bien développement, une activité avec son seul élément qui est à la base de l'île. Donc, c'est qu'il y a un pile élément qui est entrecroisé, il y a un pile élément, on prend donc à développer un système côté qu'on pas qu'à mettre tout et on pas qu'à mettre tout focus sur un seul monde. Donc, c'est que c'est sûr que gagner une cause donc qui est toujours prédominante dans ensemble de causes qui a influencer et qu'a influencé un événement. Donc, c'est sûr que, donc, pour moi-même, quoi que si force la rentrée, j'ai que l'entrée là, donc, pour moi-même, pas bah, qui différence, qui pral gagner, qui différence et qui pral fait, donc, peut-être que
Je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui sont tellement pourris, il y a des gens qui sont tellement corrompus, qui sont tellement fait l'obéir dans ce système. On a parlé que des politiciens, qui sont capables de les oligarques contrebandiers. Donc, il y a des gens qui sont capables donc qui a toujours voulu pour être capable de vivre dans ce que nous avons au carreau et permanent. Ça va le dire que force qui va venir, l'Ipral. Et divorce directement avec Caro. Hein? Donc, il est capable de porter une amélioration dans les gens que la pampillance, si pas une gouvernance et qui changeait, si c'est André Michel, qui voulait faire élection, si c'est Rosemi là, si c'est Sorel, si c'est Edmond, et si c'est Rosemont Pradel. Donc, ça veut dire que et pour moi-même, et d'accord quelque part avant donc c'est que gagner des monde yo si tellement pas qu'on est qui ça l'an demain apporter même yon si effort même yon si ça de et yon si point de stabilisation a déranger yo parce que c'est pareil que c'est dans chaos total dans chaos général là que ouais que yo capable vivre dans sens ça donc nous pas dû écarter ça mais grande cause là donc c'est le pouvoir qui a envie créer et un carreau pour capable justifier donc intervention peut-être que Cela veut dire que Gangyo a travaillé pour force multinationale la Cavini. oui parce que ça dépend de deal qu'il y a avec pouvoir là donc est-ce que y a un deal amnistie est-ce que y a un deal avec pouvoir là parce que gang là lui-même quelquefois, lui-même, il n'a pas gagné tout objectif à long terme qu'il va faire. Non, il n'a pas gagné toute analyse et structurée qu'il va faire. Ou qu'il a trouvé des chefs de gang, ou qu'il a trouvé des gens qui ont une analyse structurée. Gang dans lui-même, toute analyse, c'est aujourd'hui demain, oui, qu'il y a. On comprend? Mais Ça veut dire là, ils ont annoncé que ils ont retourné la coalition Vivre Ensemble que vous avez gagné. que. Imaginons donc ça que si gang yo vraiment te bay tête yo objectif politique que yo di yo gen là donc on pensait que c'est 4 ou 5 policiers et si malheureux qui fait effort qui entrer dans police là après pour chercher la vie Simon yo pour chercher la vie famille yo donc c'est pas si malheureux ça yo que yo t'appelle tirer donc ça que yo compte côté et heureusement pas d'être rété yo compte côté ministre finance tout pour nous aider donc pour capable et croiser avec eux donc c'est que pas quoi gagner yo t'as gagné comportement ça donc ça gagne une semaine vraiment et tout le monde a crié comment que des gangs comment que des bandits donc prend dame y a battu en public et y a torturé donc c'est que pas quoi que du jour au lendemain que gagne yo même yo changé. Ça que nous avons brûlé, et ils ont changé de fusil d'épaule, ils ont changé de comportement. Il y a des chefs de gang qui ont la tête, ils ont objectif politique, oui, mais naturellement, le gros lot, comprendre, majorité gang, majorité monde qui fait partie de gang, donc c'est que c'est des monde qui fait partie de gang, donc c'est que pour des objectifs autres que politiques. Là, on parle d'individus, mais nous en face, nous, ça, un mouvement coordonné, gagner une démonstration de force qui fait et certainement li gagner un objectif. Est-ce que là, pas gagner un message qui correspond à déploiement ou pas, force multinationale, ça, qui gagne difficulté d'ailleurs, puisque ambassadeur Sanders révélé que pas personne moun qui est intéressé parce que dit américain lui-même li pap vini donc lui-même il va venir fourer koyo. Le fait est que l'un bien gardé et d'après quantité pays qui confirmé pas gen plus que 5 6 avec Kenya Bénin etc. Donc est-ce que pas gen un message là qui adressé vers processus ça pour dire attention si gen yon force ki vin la, y ap jwenn avè nou, lan sans pou ta swa retardel, ou bien pou positionne sektèr sa yo kom de sektèr ki vin de sektèr interlokuteur sa kap fèt la.
Bon, naturellement, c'est possible. Donc, tant qu'on nous dit que vous trouvez dans un événement difficile, que vous trouvez, c'est un seul élément qui détermine le cours d'un événement. Donc, c'est que gagner une multiplicité d'éléments dans sa main et vous êtes capable de trouver dans certains moments que chef Lobay et chef Gangyo. On prend donc by tête des objectifs politiques. Par exemple, on obtient des barbecues. Barbecue, le plus souvent, c'est un monde qui vise by tête li, il y a un objectif politique qui est différent de l'autre et de l'autre gang. Donc, est-ce que ça, ka ben nous, et ka mette nous sous une piste pour que nous considérions seulement que gang yo même yo besoin que y a by tête une identité politique. Donc, c'est que moi-même très sceptique. Je suis sceptique sous question ça, parce que pour moi-même, le gros lot, on prend une majorité gang, yo n'ont pas gagné toute analyse ça, yo pas arrivé dans tout niveau et de complexité ça, pour faire analyse ça, pour faire analyse plus loin, pour regarder que les Béninois à venir, les Kenyans à venir, les Forces à venir, donc ça, qui ont campé en face. Donc ça, qui n'ont pas tout analysé ça, Est-ce que pour on pas moi, minimiser ça gagné en réalité sous terrain? Parce que reporté au rapport international Crisis Group là, qui vient avec des analyses et de sources qui montraient effectivement que il y a des réflexions stratégiques en fait. là que d'accord avant, mais mettez réflexion stratégique au niveau gangio pour que nous-mêmes nous regardions qui ça qui passait hier. Hier, c'est qui moun qui mourit, Godson? Hier, c'est le petit policier qui mourit. Hier, c'est une machine qui a vendu pomme qui mourit, Bolsonaro, là. Donc, ça veut dire que si C'est vraiment. pas seulement ça, il y a attaque sous aéroport, Oui, par exemple, bon, donc qui c'est. c'est un lieu stratégique extrêmement important. Oui, donc, ça veut dire que là, quoi, par exemple, nous n'avons qu'un chaos total. Donc, ça veut dire que chaque monde a essayé de regarder comment que il est capable utiliser violence là au maximum. Donc, c'est-à-dire que nous pas nier que gang yo gen des objectifs politiques, qui a fait des planifications par rapport à force Kenya yo ka vini, mais nous dit que non et labyrinthe ça que nous y a, donc il y a plusieurs autres causes cap défendre. Et pour moun sa yo, c'est force là pour qui vini, pour qui non seulement ba Ariel yon certaine et légitimité, mais tout permettre qu'un bébé pouvoir à vie. Tichèze Ba. Sous ça, on prend une petite pause ou toujours suivre Tichèze Ba sous Alter Radio. Je dis à nous avec Jean-Gary Denis, c'est directeur exécutif Institut haïtien d'Observatoire de politique publique qui établit l'an au Cap. On va retourner tout à l'heure. Tichèze Ba. Tichèze Ba. En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser son travail faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça me classe au directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la santé, ben on dit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, faut qu'on prise en charge. Un nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a aimé qui mis au pied pas tomber. Le régime côté nous sentiment libre. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen d'information. Partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans le programme Alter Radio. Coutez Alter Radio sur Internet. Connectez sur TuneIn et Zeno. Coutez. Abonnez. Partagez. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio. C'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec nous
Je dis à Jean-Gary Denis, c'est directeur exécutif Institut haïtien d'Observatoire de politique publique. C'est depuis au Cap la Palais avec nous et n'a essayé analyser ça qui a passé dans pays, surtout à partir de développement violence nous le 29 février pendant que Haïti avec Kenya absien ou accord donc de coopération au niveau de la police qui pourrait permettre déploiement mission multinationale de sécurité à tentativement d'après ça ou dit. Alors sous ça ou développer toute une réflexion Jean-Gary Denis et au quoi que perspective qu'a tracé là Kounia li pas mené à Haïti bien et pour dire que perspective qu'a mené là c'est yon et la peine est notre droite dans carreau hein? La peine est notre droite dans des ordres là et pour moi-même Jean Fossab Vinien donc c'est renouvelé nous pral renouveler carreau hein? Et nous t'ai déjà ouais ça pendant 30 dernières années ça yo avec les multiples forces des Nations Unies que ce soit en 1994 que ce soit en 2004 donc nous ouais que depuis que Panyen yon adhésion de population, depuis que ouais que yon mette population de côté, depuis que ouais que Panyen yon planification qui fait pour que vraiment nous capables bénéficier donc de yon coopération productive, donc nous ouais que c'est dans carreau que l'a mené. Donc comme qui ça Ariel représenté, de qui doit que Ariel seul l'Alcien yon accord avec des étrangers, pas gagné une discussion qui fait avec pays, dans qui cadre, comment ça fait, qui collaboration qui pral dessiner avec la police, qui mission yo, pour combien de temps que yo là, qui ça que yo doit faire. Donc, ça veut dire que moi-même, que n'a pas entré dans le chaos, n'a pas entré dans vraiment. Donc, mais élément ça a dit, yo défini dans résolution que l'ONU a adopté en octobre qui autorisait déploiement mission ça. Oui, mais c'est vrai que yo capable définir au niveau de l'ONU, mais supposé qu'il y a un dialogue dans la société, supposé qu'il y a un dialogue avec institution yo pour nous connaître que comment que na mise en place là, donc pas ça du tout. Pratiquement, nous n'avons pas qu'une institution encore, hein? Non, mais nous n'avons pas qu'une institution, mais un pays en là, un pays en existe. On prend, il y a l'église catholique, il y a l'église, et il y a des associations de vaudouisants, il y a des partis politiques, il y a des organisations de la société civile, par exemple, pour même faire partie de un institut et haïtien d'observatoire de politique publique, donc fait partie d'une organisation l'EINOP, gagné des organisations régionales, donc qui c'est IPAM, Initiative Patriote Marien, gagné plusieurs instances. Je dis, un pays n'a pas mouru, gagné un gouvernement, de fait, on prend le cap exercer le pouvoir. Donc, c'est que pays n'a pas gagné Ariel seulement. Et le que nous pralons dans les gens que nous pralons là, donc pas qu'on est. Et où est ça qui est écrit, mais on ne connaît pas qui ça qui dit vraiment. Si on a des missions des Nations Unies pour venir renforcer la démocratie, même américain ou même français, alors on vient là, on dit c'est la démocratie qui vient appuyer. Américain, français, on dit que yo même yo pas fourré bouche dans la forme, mais je dis là, regardez pour qui comportement yo face à rien, regardez pour que comportement que le pouvoir qui gagne 3 ans qui ne peut pas faire rien, après qui a Roger Ledouard qui dit que lui-même, lui là pour. Et il est là pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, encore, il y a la vie. Ouais, donc, pour vous, donc, il y a une série de facteurs qui montraient que le type d'initiative, ça n'a pas porté résultat. Et sous ça, dans l'article écrit, ou basé sur l'histoire, par exemple. Oui, il n'a pas porté résultat parce que non seulement il y a un problème de gouvernance, après le problème basé sur l'histoire, par exemple, ça qui passé là. Nous-mêmes, nous gagnons un problème d'intervention, nous gagnons un problème d'agression étrangère qui récurrent dans l'histoire. Non. Et à travers l'histoire, donc, c'est que pas une agression étrangère, pas une intervention, c'est pas malheur que vous portez pour nous. Bon, pour qui ça m'oblige, ouais, que l'intervention, ça qui peut le faire là, c'est bonheur, il peut le porter pour Haïtiens, surtout que c'est un combat qui est planifié.
Donc, comme des jours déjà, depuis le commencement de l'émission, hein, même pas un nationaliste, et de par contre, si pas un nationaliste, et déchiré, on prend, donc ça, qui n'a pas un problème. Non, je suis sûr que nous besoin de coopération. Je suis sûr que nous besoin, ils ont dit alors, je suis sûr que nous besoin d'aide avec des pays étrangers pour qu'ils aident nous. Mais ces bagages, sont bagages qui supposent être définis, c'est nous qui supposons qu'on est, qui ça nous voulait, c'est nous qui supposons qu'on est, qui ça que, la police là besoin faut que gagne un dialogue faut que gagne un chita dans la communauté pour dire mais qui ça que nous voulons mais qui ça mais comment que nous pour avancer mais c'est pas un gouvernement d'ailleurs il y a un plus gros bagage un gouvernement qui met là avec gang donc à chaque semaine ou tenter que un sénateur américain ou tenter que un ancien ambassadeur américain ou bien une organisation de monde dit que son pouvoir qui met là avec gang son pouvoir qui paye gang l'argent pour que gang continuer six mains des autres, six mains carrément de la société, après que c'est le même pouvoir ça qui va négocier une force étrangère pour qu'il vienne combattre gang, pour qu'il vienne combattre des autres dans le pays. Donc ça veut dire que là, il y a un gros problème là. L'autre problème qui gagne, c'est que dans le contexte nous, aujourd'hui, côté par exemple, tous les jours, nous entendons des Américains qui disent oui, il y a besoin de force, il y a besoin de force, il y a besoin de force. Il y a l'autre et pays gain l'ONU effectivement qui non seulement autorisé mais qui a fait un plaidoyer tout en faveur ça est-ce qu'on pensait que le moment ça c'est là ça va le choisir pour la guerre Ariel Henry naturellement j'ai question ça qu'on gagne donc les gain toute importance li mais pas ouais tout effort que fait tout pour que yo capable doter pays d'un gouvernance responsable qui est capable peut-être si force ça venir qui est capable bay force ça yon orientation pour que li travaille vraiment dans bénéfice pays pour résorber question et insécurité mais sous ça répond nous déjà puisque l'G20 te gen un discours ça que Blinken te fait côté li décrit très clairement ça yo souhaité d'abord c'est la sécurité avec force ça et puis après pour aller vers les élections yo même ces deux questions ça yo que yo kembe sécurité oui. Élection ouais c'est même problème dans qui gagne et c'est ça qui fait que comme dit dans article publié hein, moun yo très sceptique moun yo peur question poser force ça regardez, nous faisons élection. Élection, nous bouquons faire élection. Ou pas faire élection là. Moi, quand je suis là, je dois dire qui est le sénateur, qui est le député, qui est le président. Donc, quand tu es là, c'est lui qui parle, mais qui président que le voulait. Côté Iso, il est là. C'est lui qui a dit, mais qui sénateur que le voulait. Côté Jeff Canan, il est là. Donc, c'est lui qui a dit, qui sénateur pour voter. Donc, imaginons que l'homme... Ça, c'est si la situation était telle qu'elle. Mais situation pas qu'à changer, situation pas qu'à changer avec gouvernance, ça que nous avons. Après, l'homme a parlé d'élection. Mais qui est l'élection que nous avons habitué à gagner? Donc, c'est que ce n'est pas seule élection que nous avons besoin de payer, mais nous avons besoin de réformes profondes. Donc, pour si force ça a venu, il n'est pas utile en rien. Je veux dire, dans la condition que le vini là, avec gouvernance, ça, moins que. Yo vle kembe la avec Ariel le monstre on prend avec nèg sa qui nan tête pays sa on prend c'est seul étranger côté on imagine que on nèg a dirige un pays aucun monde pa connaît après qui côté que la li di que la renouvelé mandat pour 2 ans devant qui instance devant des instances internationaux donc c'est que pays en lui-même s'attendait que Ariel di la renouvelé mandat pour 2 ans. Donc, c'est que qui élection, il y a un monde qui est capable de arriver fait pour payer. Après, nous voyons que tout problème que il y a. Donc, c'est une sortie dans une mauvaise élection. On regarde quoi, par exemple, c'est élection. Il y a une question élection dans la gorge. On regarde pour nous voir qui ça qu'il fait avec Matéli. On regarde que dernière élection, qui moun qui élu comme sénateur, comme député. Donc, c'est machin de drogue, c'est des corrompus. Et je dis, on pourra le faire élection. Sans que nous pas réaliser réforme processus là sans que nous quitter délinquants qui craser pays ça donc c'est que yo même yo gagne en peur de la justice pas des procès qui fait pour que nous assainir pays en bon ça comme garantie c'est même délinquants yo c'est même et voleurs et marchands de drogue
qui te gagne en de pays. Donc, c'est Mounsayo qui peut aller le sénateur, qui peut aller du président, qui peut aller député, son président, qui est donc le convent drogue, qui est le fumé drogue, son président, donc ça, qui met les dans tout combine, dans tout vagabondage. On prend, c'est. Donc, ensuite, mais qui trouve ou bien. Donc, cela veut dire que et c'est une fatalité. A gen anken moyen pou nou soti lan sa nou ye la ajouti a. Ni moyen pou nou soti lan sa nou ye avec gouvernance avec actual gouvernance sa ke nye. Nou pa ka chanje gouvernement non plus depuis 2 ans et demi nou wè sa. Ah, bon, naturellement, eh ben naturellement nou pa ka chanje le. Donc c'est le chaos. Avec Ariel c'est le chaos. Mais jusqu'i bon ça pral aller, jusqu'i bon. J'ai que le journal qui était pouvoir les équipes assassins ou touye Jovenel, mais nous songe que c'est seulement 600 qui était bloqué. Donc Jodian là, c'est tout pays qui bloqué. Et Jodian gon extension de sécurité dans l'autre ville provinciale. Donc qui ça calcule là que yon gouvernement qui fait 3 ans à implémenter gang, 3 ans à renforcer gang, 3 ans et abservi avec insécurité pour Kembe tête les sous-pouvoir. Donc, ça fait que m'oblige quoi que force que la négocie hein, pendant que lui-même, c'est lui qui a été gouverneur, lui-même n'a même là. Donc, il peut permettre que la démocratie établie, il peut permettre que il y ait des mouns qui peuvent monter sous-pouvoir et des mouns qui peuvent demander à Ariel compte pour dire que qui sont faits avec l'argent corruption. Mais qui attend nous alors que Ariel en ait quitté pouvoir ou quoi? Comment nous ouais on sorti? Bon, ils ont sorti. Donc c'est retirer gouvernance là dans main. Retirer gouvernance là dans main. Mounsayo qui là que société. Qui est-ce qui a retiré la main? Non, société. Et comment société a fait la situation ça nous est là? C'est-à-dire comment justement retirer gouvernance là dans main? Gen yon réflexion qui pou fait sur justement comment, qui ça a fait. Parce que sou fon bilan bien, ou apoué que depuis juillet 2021, rive jounen jodi a, et lutte démocratique yon fait en pile back. C'est-à-dire que secteur en lutte yon affaibli sérieusement. Donc, après bilan ça, faut que moun dawe comment ap régénéré yon et comment. Ou ap met un mécanisme en place pour faire que démocratie a triomphé. Comment nous-mêmes nous est ça? Bon, naturellement, bon, j'ai oublié ça tout bon. C'est vrai que il y a un peu le problème au niveau secteur démocratique, mais l'éclair nous tombé là, nous en précarité, toute zone bloquée. Donc, je dis, c'est seul pays, je dis, que ou ta gagné des monde qui instant comme ça, qui a kembe un pouvoir. Dans situation ça que lié hein? Donc ça c'est pas tout bas, c'est tout bas qui bloqué, c'est tout bas qui bloqué et tout bas qui bloqué en de pays hein? Et pour moi même population bail des démonstrations suffisant pour que pouvoir ça lui même que le créer à l'école. Donc je dis hein, qui ça Ariel a dirigé? Oui, mais au-delà du constat, qui ça nous ouais, comment nous ouais pour nous sortir dans ça nous y a là? Non, mais ça qu'on sorti, pour nous sortir dans sa nouille, hein, comme déjà moi-même fait partie que Inop signé et ça qu'on a brûlé et l'accord de Montana et les dirigeants de l'accord de Montana, donc et à travers donc Fridjan et dans discussion avec ça qu'on a brûlé donc en pile et force politique en pile organisation de la société civile. Donc c'est que nous rester à goûter nous à objectif que nous débattons tête nous pour que capable de transition négocier différentes solutions et souterrain différentes forces qui dans pays. Mais je dis c'est bien malheureux ou en face yon international qui envie pays en chaos. Yon international qui envie qu'un des privilèges d'ingérence que le gagne sous yon pouvoir et corrompu, son pouvoir destructeur. Donc, je dis, c'est à force ça que n'a boumé. Donc, c'est que Ariel, c'est juste un instrument. Mais je dis, donc,
c'est avec international là que nous en lutte. Et si jodi a international là t'es capable imposer Ariel, t'es capable dire Ariel faire élection, t'es capable dire Ariel monter conseil électoral, ou me penser que et yo t'a fait déjà. Donc dans ce sens ça pour moi même et on croit que jodi a faut que nous gardions la réalité en face. Donc si international là t'es voulu faire, t'es capable fait tout ça le vle, hein, parce que qu'on voulait qu'on pas vle. Même le américain a fait l'obéio, même le français et l'Union européenne, donc l'ONU a fait tout l'obéio, mais il y a des voix au niveau international, il y a des voix discordantes qui dit que yo pas qu'à faire ça, yo pas qu'à aller tout côté pour que yo fait ça fait nous, hein. Donc c'est qui attend nous de la part de la communauté internationale. Pour attendre de la part de la communauté internationale, bon, naturellement, moi-même, pas gagné aucune attente positive de la part de la communauté internationale. Attente que gagné, c'est attente de la part des Haïtiens, attente que gagné de la part du secteur en d'un pays, hein, qui aurait nécessité pour que yo capable mettre ensemble, pour la nécessité, yon grand consensus et que capable imposer yon force par rapport à la communauté internationale là pour que yo di nèg yo gens que yo vle pays en support que a Ariel gens que y a mené bak pays en gens que yo besoin kembe Haïti nan carreau yo besoin kembe Haïti nan misère nan grand gouan. Donc c'est que pour nous mêmes nous capable offrir yon force suffisante pour nous capable contrer ça. C'est pas que yo pral fèl de gré, non, c'est pas que yo pral fèl avec volonté, mais c'est nous pour qui contraignent yo, pour qui exigent yo, pour yo que gagnent yon meilleure attitude envers le peuple haïtien. Nous prenons tout en solidarité internationale et comment on capable manifester? Oui, bon, naturellement, le regard des solidarités internationales, là, où est que, qu'on voulait qu'on parle de jour en jour, où est que la manifesté avec beaucoup plus de vigueur, avec beaucoup plus de force. Donc, le regard des positions ambassadeurs Ronald Sanders, regarder position donc président Lula qui gagne des positions claires qui dit que problème non son problème économique tout c'est mon problème militaire que lié et aujourd'hui nous tout connaît jeune femme avec jeune garçon qui gagne des armes dans mais dans quartier populaire qui monde qui mettait des armes dans mais c'est pas un bonjour que ISO possède ISO qui t'a vendre des gars posséder 30 40 000 dollars américains pour l'acheter un M1 pour l'acheter et un HKZ3 pour l'acheter un gros arme. Bon naturellement pas contre trop donc pour armer pour acheter 50 60 qualité d'armes ça yo pour que li capable assumer sécurité. Donc c'est que gagner un côté l'agence a sorti gagner un côté que armes ça a sorti. Mais jodi an nous vinn garder que moun sa yo gen yon capacité d'autonomie, moun sa yo vinn grand moun assez pour que yo di que moun ki t'a ba aux amis yo pas besoin yo ka voler de propre zèl yo et c'est là danger ay et jodi an. On questionne pas d'aborder la question de la police puisque n'a parlé de sécurité mais jodi a l'état la police la trouvé là. Dans quelle mesure que nous capables compter sur lui? Bon, ouais, mais un point qui est important encore pour aborder. Donc comme si on pourrait négocier une force internationale avec un pays étranger après que c'est avec police là qui prend la contrepartie, force Kenya Gabriel. C'est France LB qui prend le bail Kenya ou l'autre. Donc c'est que France LB. Donc chaque jour quand des rapports et des organisations de droits humains qui disent que France LB c'est ce qui dégage de grands liens avec 400. Bon, bien que aménagement ça n'est pas automatique police, parce que quand même l'a défini. Autant dire que la police dans série de zones donc la police avec gang mettait tête ensemble. Donc ça veut dire que ces police là sans que pas des réformes qui fait dans le gouvernement pays. Sans que pas des réformes qui fait non politique de sécurité publique après je dis on prend le bail France LB l'attitude pour ces lit qui prend le travail avec des forces de sécurité pour qui mettez sécurité en des pays. Donc ça veut dire que pour moi même
Je crois que le problème, non, c'est clair, le problème, non, chita, nan niveau gouvernance, que n'y a rien, qui pas gagné aucune capacité, qui pas gagné vraiment, qui pas démontré aucune volonté pour que non seulement yo pacifier pays, hein, mais tout utiliser des forces internationales pour que nous capables et gagner rentrer dans ère de développement durable comme sécurité, hein, c'est une bagaille qui est essentiel. Oui, mais on pas ou pas réagir sur état force la police là lui-même. Non, état force la police là, non, ouais, que sont force la police qui pas capable et moi-même t'ai déjà dit que moi-même clair que moi-même pas non que nationaliste et bout de chandelle, pas non que nationaliste de pacotille. On croit que nous besoin une grande coopération au niveau international par rapport à la police là, hein, par rapport à Jean post gagnio. Donc on croit que n'a besoin des technologies de pointe, n'a besoin d'armes que au niveau et que au niveau n'a besoin tout. Donc en coopération que au niveau, donc c'est un service d'intelligence sérieux que au niveau technologique. On prend mais qui mécanisme pour aller là bien pour voir ça qui est là, il pas qu'à faire ça. Et si que gon force qui vient, force dans lui même pour voir lui-même lycée à ville comme et yon et force qui va venir qui pour capable renforcer et son ta capable légitimité. Mais à certain moment le nous considérer bagaille de manière pragmatique, est-ce que pas gain de passage obligé le ou considérer situation qui gain là jodi a et difficulté diverses couches dans population gain pour yo vivre pour yo même survivre vin difficile. Est-ce que pas gagner nécessité ou marché pressé ou c'est-à-dire pour joindre des voies pour que gagne de bagaille qui fait à court terme tout au cours de la vie même définir là ça qui est aujourd'hui après le problème pays c'est gouvernance là principal problème pays c'est Ariel Henry qui tient le pouvoir et qui décide et aller chercher une force internationale pour renforcer légitimité. Bon, naturellement, même comme nous déjà, même pas nier que nous besoin de grande coopération par rapport à l'État police là, par rapport à Jean police là sous équipé et par rapport tout avec nous manquer police là manquer bois. Donc ça veut dire que l'organe ratio police population quoi c'est en Haïti que lui-même les plus bas. Donc ça veut dire que minimum que au moins on besoin y ont 30 à 40 000 policiers. Donc ça veut dire que c'est sûr que on croit que il y a un pile et il y a un pile problème donc au niveau police là. Donc ça veut dire que pas rejeter une coopération avec et des forces et étrangères, avec des pays amis, avec des peuples frères. D'ailleurs nous-mêmes dans l'histoire nous sommes histoire qui tasse sous coopération et depuis l'heure que nous prenons indépendance nous. Donc c'est que nous pas qu'à rendre jodien pour que nous bénéficions de coopération de pays étrangers, mais gens que la Finlande, gens que Américain a fait ça dans des autres que Américain, dans des autres que Canadien yo a fait ça, dans des autres que Français ont voulu faire là, dans des autres que Bini a fait là, son bagage qui peut mener nous dans un chaos total. Donc pour moi même plus gros correction qui t'a porté, c'est jodien gagner des jodien gagner sont d'accabrer de nouveaux dirigeants gagner une nouvelle orientation qui gagne dans la gouvernance paysan, donc pour une gouvernance plus responsable dans le domaine sécurité, dans le domaine économique et dans la question pour que nous allions dans l'élection, pour que nous capable d'une élection qui est capable d'accoucher de nouveaux dirigeants. Donc, si que par exemple, que le bras fait là, Goodson, bon, ça comme garantie, nous pour aller dans un carreau, nous pour aller dans plus de problèmes. Donc, c'est que, comme toujours dit, nous prenons renouveler carreau hein, pour 30 ou 40 ans. Donc, c'est même ça qui est passé en 2004 là, c'est même ça qui est passé en 94 là. C'est lui que nous prenons, c'est lui que nous prenons revivre. Ouais. Mais est-ce que. Nous avons besoin vraiment d'une coopération qui permette nous de travailler contre Gangyo et vraiment pour que nous résolvions le phénomène de violence là, après nous mettre pays hein, sur un chemin économique, nous mettre payant sur la voie
du développement durable. Est-ce que, en une minute, est-ce que nous pas qu'à changer destin ça? Autrement dit, coopération ça, est-ce que c'est vini, la vini, ou bien c'est obtenu, n'a pas obtenu, avec intelligence nous, avec mise en place que n'a fait, avec façon que nous-mêmes, comme haïtiens, n'a comporté nous? Monsieur, moi, je suis seul avec le gouvernance pays. Il faut facto qu'arrive bay pays non l'autre gouvernance arrive bay pays non l'autre orientation nous arrive et chita pour que nous réaliser les véritables réformes parce que l'autre jour là américain vraiment au prend un bel honte au niveau nation il l'a dit mais problème pays c'est un problème sécurité c'est un problème élection problème non son problème économique d'abord. On prend, c'est pas problème que USAID a pour fou de ce programme humanitaire, que USAID a pour de ce programme et pour capable de mettre bonne conscience de ce programme au niveau sécurité alimentaire. Donc, c'est que je dis, il faut que nous capables chita pour nous poser véritable problème stratégique, donc qui marie le développement pays. C'est là que nous allons, et l'autre jour, que Lula dit Blinken ça l'autre jour. Donc, je dis, en sérieux. Donc, avec orientation ça, si que nous-mêmes nous soyons orientation ça, qui ont belle porte qui l'ouvre pour que nous-mêmes, pour que des Haïtiens, en d'un pays, hein, pour que nous poser véritable problème économique là, problème économique yo, nous poser véritable réforme qui supposé réaliser que c'est dans APN, que c'est réforme au niveau de la douane, que c'est réforme qui supposé dans le domaine fiscal, que c'est réforme qui supposé réaliser dans le domaine crédit pour que nous capables d'attirer des investissements dans le pays. C'est ça que nous besoin. Tichèze bas. Eh bien, sous Tichèze bas, je dis, hein, nous t'es gagné avec nous depuis au Cap Jean-Gary Denis, c'est directeur exécutif Institut haïtien d'Observatoire de politique publique INOP. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze bas ou même tout qui t'a regardé nous sur Facebook et YouTube, merci en pile. Nous m'y courons, c'est Godson Pierre dans la semaine prochaine et en attendant, nous capables recouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Google Podcast, Facebook et YouTube. Tichèze bas, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze bas.